Yop tout le monde, c'est Malheur7, on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite, comme d'habitude je suis sur Soulmonde. On se retrouve pour l'émission du jour, même s'il est un peu tard, il est déjà 17h là. Mais aujourd'hui je suis allé voir un peu ma soeur et tout, je me suis un peu baladé. Vu que en fait, ouais, voilà. Je me suis baladé quoi, je vais pas en dire plus, du coup je suis resté un peu avec mon neveu et tout, c'était plutôt cool. Donc aujourd'hui, pour ceux qui veulent savoir, bon, il y a une mission sur V-Buck, je vais quand même vous montrer comme ça, au moins vous savez où elle est exactement. Je crois qu'elle est à Villeplanche si je me trompe pas. Donc je l'ai pas encore faite hein. Voilà, peut-être plus haut, je sais pas, mais bref, on va regarder. De toute façon, il y en a une, c'est sûr hein, les gars. Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui ont regardé le match de l'Argentine-Brésil, bon, moi je l'ai regardé à moitié, enfin, même pas du tout. J'ai mis hein, la chaîne et tout, mais du coup, je me suis endormi à toutes les 5 minutes, frère, c'est incroyable. Je m'endormais, je remettais, tac, tac, tout, tac, tout, tac, c'est incroyable, quoi. Là, il y a un double truc épique, voilà, elle est là, du coup, catégorie 2. Donc voilà, catégorie 2. Mais là, il y a un 2 et 2, c'est quoi? Leader épique, survivant et défenseur épique. Donc voilà. Donc c'est plutôt sympa. Plutôt sympathique. Plutôt sympathique, effectivement. Il y a un plafond à électrocuteur aussi en légendaire. Plutôt intéressant. Mais aujourd'hui, on est dimanche, c'est pas les missions du jour qui sont intéressantes. Je vais vous montrer ce qui est intéressant juste après. Vu qu'on est lundi, tous les lundis il y a un nouveau sur la route à faire, hein, on est d'accord. Donc je vais vous montrer ça pour voir ce qu'on débloque. Et puis il y a la nouveauté du dimanche quoi. Là il y a un petit tsunami légendaire, il y a un survent légendaire comme je vous ai déjà dit. Il y a pas mal de petits trucs sympatoches quoi. Donc voilà. Donc Wally Walou. Petit truc qui est épique, à néon là, c'était le sniper je crois, mais bref on s'en fout, c'est du épique de toute façon. Donc là x4 avec du cyclone avec 61 avec du cyclone, j'ai l'impression que c'est exactement comme hier. x4 XP de survivant avec 300 trucs mûches, attends mais c'est exactement comme hier. Je rêve ou c'est quasiment exactement comme hier. Enfin bref, et en aventure, je vais vous montrer vite fait aussi en 140 et tout ce qu'il y a. Donc 140, il y a un leader épique, survivant bien sûr. Il y a un x4 goutte de pluie, fragment de tempête par contre, pardon. x4 œil du cyclone en 140, il y a du 2-2 en épique et légendaire. x4 goutte de pluie ici. Leader survivant légendaire en ici, en x4 encore. Et voilà, ici encore un. 1x4 XP, un peu nul, mais bref, c'est pas ça qui est intéressant. Donc, je vais vous montrer directement sur la route. Donc, sur la route cette semaine, il faut en faire un deuxième, hein, comme je vous ai dit. Enfin, un nouveau, c'est escorter l'ombre, non, l'étoile occulte, pardon. Donc, voilà, je vais vous montrer directement ce qu'il vous donne. Donc, il vous donne Kyle Ankylosaur, merde, Ankylosaur, pardon, j'ai niqué son nom, mais bref. Donc, voilà, le petit Kyle est en même temps dans la boutique Hebdoma. D'événements, pardon, mais qu'est-ce que je bégaye? Mais je suis pensif aussi, les gars. Donc, il y a Isa préhistorique, ouais. Isa préhistorique. Donc, pour ceux qui connaissent pas Isa préhistorique, c'est simple. Quand le bouclier est vide, l'armure augmente de 100 ou de 33, tout dépend si tu l'as en principal ou en secondaire, tout simplement. Et du coup, pour l'autre, il faut que je vous montre en collection directement. Donc, je vais aller dans les héros d'événements. Donc, personne d'événement ici. Antidéluvien, donc c'est lui, Kyle. Mes couilles en slip, truc mûche. Donc lui, c'est quand surcharge cinétique. Donc la surcharge cinétique restaure des PV. Donc voilà, c'est quand tu mets du coup ta base, j'imagine, ou un truc comme ça. Je sais même pas, Zebi. Enfin bref, t'as un certain pourcentage, un peu comme elle, hein, au final. Sauf en constructeur, au final. Hein, vous voyez que c'est quasi pareil, quoi. Donc c'est plutôt sympathique, voilà. Donc là ils ont sorti E2, là ils sortent E2. Après la semaine ils vont sortir E2 j'imagine. Après E2 ou E2 je sais pas. Mais c'est assez stylé du coup, il y a deux constructeurs, deux soldats, deux ninjas et deux aventuriers.
Ça fait plaisir au final. Et en plus, c'est que les principaux à chaque fois. Ramirez, Jonesy, Kyle, Isa, Ken, Luna. Ah, ils auraient pu mettre aussi l'autre. Hein. Ouais, et Swindar et Jess. Ouais, c'est ça, c'est les personnages principaux. Du coup, c'est plutôt sympatoche. Mais sinon, ouais. Sinon, ouais, donc là, j'ai trois persos à acheter encore. Hein, donc, ouais, il faut que je me mine, quoi. Il faut que je m'achète full or. Après, ça va, les trucs d'événements, je peux prendre assez n'importe quand. Et puis ici, du coup, depuis jeudi, hein, toujours hein, disponible la Sigou en épique. Donc, moi, je l'ai mis en collection instantanément. Vous savez comment je fonctionne. Donc, voilà. Si jamais, pour ceux qui veulent savoir, n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord ou même sur Insta. Si vous n'avez pas le temps de regarder ma vidéo ou quoi que ce soit, bah, vous aurez directement l'info sur Discord ou Insta. Voilà, ça ira plus vite. Donc, voilà. Donc n'hésitez pas à faire ça, et puis sinon je vous laisse là-dessus je pense. N'hésitez pas à mettre le petit commentaire, le petit like et le petit partage de la chaîne. Ça peut être assez intéressant pour que je continue à monter et me développer. Ça peut être intéressant hein, sur ma chaîne. Et puis sinon, ouais, hein, voilà. Hein. N'hésitez pas à me retrouver sur Twitch aussi. Hein. De temps en temps, je fais des petits lives de 1h, 2h, 3h30, enfin ça dépend. Là j'hésite à en lancer un en vrai, vu qu'il n'y a pas mon frère encore qui est chez moi. Je peux peut-être lancer un petit, je sais pas encore. Enfin bref, je vous laisse là-dessus. Et puis on se dit à demain pour la prochaine vidéo quotidienne. Ciao!